Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire. Vers le report des élections présidentielles, le président Alassane Dramane Ouattara annule tous les actes de sa grande campagne électorale. Voici la vérité cachée. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Quelques heures de sa grande campagne électorale en Côte d'Ivoire avec le RHDP, le Rassemblement des Fautistes pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara envoie un message poignant aux Ivoiriens. Mesdames et messieurs, les membres du conseil politique, les membres du directoire, les membres de la direction exécutive en Côte d'Ivoire, les coordonnateurs régionaux et d'autres tels que les députés, les sénateurs et les maires, de ne pas rejoindre l'opposition en Côte d'Ivoire, tels que le président Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bedi et Guillaume Kibafo-Rissoro, le président du mouvement Génération et Peuple Solidaire en abrégé GPS, le président Alassane Dramane Ouattara, invoque et implore les Ivoiriens à battre campagne pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. La grande cérémonie officielle de remise des feux de route aux directeurs régionaux de campagne par le candidat du RHDP, son Excellence M. Alassane Dramane Ouattara, initialement prévue ce mercredi 14 octobre 2020 à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody-Angré, précisément en Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara a reporté la date. Merci beaucoup. Vous savez, on n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bedi est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années. C'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara. Urgence en Côte d'Ivoire, l'assassinat de Marcel Amontano, programmé par le RHDP d'Alassane Dramane Ouattara.
S'il y a bien un homme dont le discours a particulièrement retenu l'opposition en Côte d'Ivoire et le grand public, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, précisément le 10 octobre 2020, lors du giga meeting de l'opposition qui l'opposait contre le président Alassane Dramane Ouattara, c'est le cas avec Marcel Amontano. Marcel Amontano, l'ex-directeur du cabinet du président Alassane Dramane Ouattara dans l'opposition, au pouvoir puis son ministre des Affaires étrangères, un homme révolté contre Ouattara, un homme armé envers son ex-patron, lui et M. Guillaume Kibafo-Rissoro, et compagnon de lutte, alors qu'il portait encore des gants. Pour parler au président Alassane Dramane Ouattara, Marcel Amontano a percé l'abcès en Côte d'Ivoire. La toile s'enflamme. Selon les rumeurs qui courent présentement sur les réseaux sociaux et en Côte d'Ivoire, après l'intervention de Marcel Amontano, sa vie se trouve en grand danger en Côte d'Ivoire. Une réunion confidentielle s'est déroulée avec certains membres restreints du clan du président Alassane Dramane Ouattara pour acter son grand assassinat, Marcel Amontano, dans un grand viseur. Cela demeure triste si ces informations sont avérées. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Alors chers amis, c'est nouveau une nouvelle à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.